Le message que je voudrais transmettre, c'est surtout que la violence dans un couple, ça doit être, c'est intolérable, et que chaque femme qui subit ce genre de traitement, doit pouvoir en parler parce que je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut qualifier de normal. Je trouve inadmissible que des choses comme ça puissent se produire et qu'on passe ce genre de choses sous silence. Il faut que ça s'arrête, donc il faut que les femmes osent parler et il faut surtout qu'on accepte de les écouter. Le silence est pire que tout parce que c'est un exemple qui ressort en pleine figure d'une violence du père. C'est le mariage. Donc voilà comment quelqu'un qui a aimé une personne peut un jour abîmer ce corps et blesser son âme et son esprit. À ce point-là, c'est monstrueux. Non, mais c'est parce qu'il était un peu jaloux. Oui, mais je l'ai provoqué. Il m'a promis qu'il recommencerait pas. C'est un accident. C'est parce que je suis tombée dans l'escalier. La violence conjugale est la cause principale de mortalité chez les femmes de 19 à 44 ans. Et ce, partout dans le monde. Avant même la guerre, le cancer et les accidents de la route. Chaque année, 95 femmes meurent suite aux blessures infligées par leur conjoint. Ensemble, brisons le cercle de la violence. Dénoncez votre escalier. Avant qu'il ne soit trop tard. En Algérie, selon une enquête réalisée par le ministère de la Santé en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Fonds des Nations Unies pour la population, 59% des femmes estiment que le mari a le droit de frapper son épouse. Cette semaine, vous l'aurez deviné, la radio des Sans Voix a décidé de s'attaquer à un grand tabou de la société algérienne, la violence domestique, avec l'une des pionnières du mouvement de lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants en Algérie, Madame Fadila Boumendjel Chitour. Madame Boumendjel Chitour, bonjour. Bonjour. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans Voix. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis très heureuse de participer à cette interview et je voudrais d'emblée vous dire ma réaction et les félicitations que je vous décerne concernant le titre et le nom de votre radio. Je trouve que c'est très important d'avoir essayé d'être le porte-voix, le porte-parole de toutes ces franges de la population tellement vulnérables qui, bien sûr, sont d'abord privées de parole. Merci. Et vous êtes professeure en médecine ainsi que membre fondatrice du réseau Wassila pour l'aide aux femmes et aux enfants victimes de violences. Pourriez-vous déjà nous expliquer ce qu'est le réseau Wassila ? Je crois qu'il est important de donner surtout le contexte de sa création. Au sortir des années terribles de terrorisme, nous étions tous dans un désarroi énorme face à la prise en charge, au problème de la prise en charge des victimes du terrorisme. Quels que soient les professionnels, qu'ils soient les professionnels de santé, les juristes, les travailleurs sociaux, tous unanimement disaient comment faire pour écouter ces personnes, les accueillir et faire un petit peu face à leurs énormes demandes. Ce désarroi des professionnels les a conduits d'abord à éperdument chercher le savoir et les connaissances sur ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la victimologie. On y reviendra certainement au cours de notre entretien. Cette conséquence terrible du terrorisme qui était la rupture des liens sociaux. Car c'est ça, je crois, le principal résultat dévastateur du terrorisme. C'est que c'était une société qui était éclatée, perte de repères et de liens. Et donc notre envie, c'était un regroupement, de mettre en commun nos compétences, nos questionnements, nos peurs encore et nos espoirs.
car il fallait créer du lien. C'était vraiment ce dont nous aspirions au sortir de à la fin des années 90 et début des années 2000. Et donc, je vais vous donner exactement les circonstances. Le 5 octobre 2000, l'association SOS Femmes en Détresse organise une journée sur quel soutien psychologique donner aux femmes en détresse. Au cours de cette journée, plusieurs associations, plusieurs professionnels, issus même des institutions ou des professionnels, des personnes privées, étaient venus écouter, en particulier la juriste du centre d'écoute de cette association. Et voilà que cette juriste nous parle de l'histoire singulière d'une victime, car elle existe. Le nom de notre réseau, c'est celui d'une victime. D'une victime Wasila, sur la tête de laquelle s'était abattu tout ce qu'il est imaginable de violence, depuis les violences familiales, les fugues, la prostitution, la drogue, les viols, l'enfantement dans une situation de mère célibataire. Et la juriste, dans son compte-rendu extrême pathétique et déchirant, faisait état de l'impuissance qui s'était manifestée pour prendre en charge Wasila. À quel point les professionnels avaient été submergés par l'impossibilité de panser ses plaies et d'être auprès d'elle. Et il y a eu dans la salle une telle émotion, un tel écho de la détresse de Wasila répercutée, c'est un peu ce que vous faites, la voix de Wasila à travers la voix de la juriste. Il a été immédiatement pris la décision d'abord de faire le point des personnes qui étaient là, des associations qui, chacune dans son coin, travaillaient et essayaient de faire ce qu'elles pouvaient, et l'urgence de rassembler toutes ces énergies humaines et matérielles. C'est ça la naissance du réseau tout à fait informel Wasila. Et donc, nous commençons à travailler à partir d'octobre 2000 et nous avons d'emblée décidé, parce qu'il y avait aussi beaucoup de désarroi sur le plan de ce qui nous était arrivé, l'importance de réfléchir ensemble autant qu'agir ensemble, et donc est né ce réseau de réflexion et d'action en faveur des femmes et des enfants victimes de violences. Et depuis, nous avons essayé de ne jamais nous arrêter. Ce qui est aujourd'hui, parce que ça, je vous parle de la naissance et du cheminement, parce qu'évidemment, ensuite, les associations ont chacune gardé pour elles-mêmes leur autonomie et leurs prérogatives, avec leurs spécificités, bien sûr. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en reste du réseau Wasila? C'est un nombre assez important, une vingtaine de personnes vraiment actives qui, dans la réflexion et l'action, continuent à accompagner. Nous préférons de beaucoup maintenant le terme d'accompagnement à celui de prise en charge, car c'est une action qui apprend la modestie, l'humilité et à la limite qui permet de dire c'est la modestie et la petitesse des succès que nous avons qui fait en réalité la grandeur de l'action à continuer. Et puis dans ce accompagnement, il y a le fait que de cette proximité et surtout du respect des victimes. C'est-à-dire qu'à aucun moment on essaye, en tout cas c'est une véritable éducation, de nous substituer à elles pour les prises de décision, décider pour elles, non. Nous essayons de nous mettre dans le temps des victimes, qui n'est pas aussi impatient que le nôtre, dans le rythme des victimes et dans ce qu'elles peuvent et veulent réellement réaliser. Donc, je vous disais, ce qu'il en reste, c'est un siège qui est à l'association. Vous voyez comme donc il y a cette proximité entre les associations et cette solidarité. Nous sommes hébergés au village d'enfants SOS de Draria. Les grands piliers de notre activité, c'est un centre d'écoute téléphonique anonyme et gratuit qui fonctionne toute la semaine, du dimanche au jeudi, de 9h à 17h. Ce centre d'écoute téléphonique auquel nous tenons beaucoup, car les appels viennent de toutes les régions d'Algérie. Les femmes, et quelquefois même les hommes ou des enfants, appellent et sont en confiance parce que c'est l'anonymat
et la gratuité des appels. Nous faisons aussi beaucoup, quand il y a des interruptions, des appels et des rappels. Il y a donc un suivi qui est aussi possible. Et cette écoute est faite par des professionnels, une juriste et une psychologue qui ont maintenant 10 à 15 ans d'expérience et qui sont très très efficaces. Donc centre d'écoute téléphonique, nous avons aussi des permanences d'accueil, des bénévoles par binôme, accueil deux fois par semaine, le mardi et le jeudi après-midi de 14h à 17h, les femmes pour lesquelles le simple appel téléphonique ne suffit pas et qui souhaitent rencontrer des personnes, être yeux dans les yeux, mains dans les mains, avec des personnes qui les écoutent avec bienveillance et empathie. Et ensuite, nous faisons de manière assez rigoureuse le suivi de ces permanences. Nous nous concertons tous les dimanches après-midi sur les conseils en interdisciplinarité pour essayer de faire avancer les dossiers. Donc voici le deuxième pôle, centre d'écoute, permanence d'accueil, et puis toutes les activités autour de la réflexion. En fait, ce sont les difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, soit à l'écoute, soit aux permanences, qui nous fournissent les sujets de réflexion, que nous traitons dans des ateliers qui peuvent durer 2 à 3 ans avant qu'il n'y ait une production écrite sur le travail des ateliers. Très belle mission. Est-ce que vous pourriez nous introduire aux problématiques à présent auxquelles font face les femmes et les enfants victimes de violences en Algérie ? La problématique, c'est en fait tout à fait proportionnelle et en écho à la structure même de la société algérienne, qui est évidemment, on le dit de manière compréhensible, je pense, qui est un ordre patriarcal très très clair, très ferme. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que c'est la domination d'un sexe sur l'autre, la domination du sexe masculin sur le sexe féminin. Et on inclut aussi les enfants, parce qu'en réalité, dans ce rapport de domination, de force et de discrimination, étant donné que les enfants des deux sexes, tant qu'ils ne sont pas arrivés à maturité et à l'âge adulte, sont aussi les victimes de ce rapport de force, tout autant que le sont les femmes. Donc, quand on a compris que c'est structurel, que c'est donc ça passe par l'éducation, on dit souvent que la violence faite aux femmes est perpétuée et par les femmes elles-mêmes. Mais bien sûr, il ne faut pas s'en étonner. Il est évident que des mères qui pensent protéger leurs filles en étant en conformité avec l'ordre social se croient très bien intentionnées et sont dans la naïveté de croire qu'elles inculquent à leurs filles ce qu'elles-mêmes ont appris, c'est-à-dire que le sexe masculin, c'est la domination et la force, le sexe féminin, c'est la soumission et la résignation à cet ordre établi. Donc, malheureusement, tout est construit structurellement, sociologiquement, pour que non seulement cet ordre patriarcal ait de beaux jours devant lui, mais se perpétue avec, dans un conformisme social appuyé par des croyances religieuses et par des archaïsmes d'une pesanteur inextricable. D'ailleurs, je pense qu'il y a une très belle illustration à ce que je viens d'expliquer, peut-être de manière un petit peu difficile, mais une belle illustration, c'est le résultat que vous avez donné. Les femmes elles-mêmes, en pourcentage très élevé, ahurissant, nous avons été ahuris des résultats de cette enquête. Vous voyez bien à quel point c'est installé dans tous les esprits et dans une espèce de résignation à cet ordre social. Donc la première, c'est la non-prise de conscience que ce qui est à l'œuvre dans l'ordre social est une anomalie gravissime, que ce pourquoi l'être humain est fait ses aspirations, c'est à l'égalité entre les sexes, que c'est ça, cette seule assurance qui pourrait pacifier la société, et qu'évidemment, quand il y a des rapports de domination et de discrimination, tout cela repose sur la violence. On impose cet ordre social aux enfants et aux femmes en particulier, en utilisant et en faisant de la violence un droit
pour le sexe fort. Les hommes ont une espèce de chèque en blanc de droit de violence sur les femmes et les enfants. Donc c'est la problématique essentielle. Maintenant, ensuite, on reprendra peut-être les conséquences de cet ordre patriarcal très dur et très, très fort. Et dans le cadre de ces actions de prise en charge et de sensibilisation, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au réseau Asila ? Eh bien déjà, là encore, tout se tient. Vos questions sont tellement intelligentes et elles sont très bien articulées. Elles me permettent de vous dire que comme nous avons décidé de nous ranger de manière sans l'ombre d'une discussion, aux côtés des victimes. Nous ne tolérons pas, par exemple, dans nos réunions d'intervision, que certaines puissent dire « elle nous a menti » ou « bon ». Nous pensons que notre travail ne peut avancer que si, compte tenu de nos engagements, nous donnons le préjugé favorable aux victimes, nous les croyons. Eh bien, j'ai envie de vous dire que les obstacles qui se posent devant elles sont ceux, nous aussi, sur lesquels nous butons comme des murs. Et bien entendu, cet obstacle, j'ai envie de vous dire que c'est le déni d'abord, parce que quand des femmes pensent que l'utilisation de la violence par le père ou le frère ou le mari, c'est quelque chose de naturel, c'est normal, c'est quelque chose qui est terrible. Donc notre premier obstacle, c'est celui de faire prendre conscience d'abord à l'ensemble des membres de la société et quelquefois de nous le répéter à nous-mêmes pour conforter nos positions qui peuvent aussi être influencées par les archaïsmes alentour. Donc être très clair dans la prise de conscience, c'est inacceptable. Ce n'est pas un mode de communication, la violence entre les êtres humains. C'est quelque chose qui est réprimé, qui est condamné par la loi. On prend position et on apprend à tout le monde à essayer de prendre position très clairement, y compris les intervenants auprès des victimes. Celui-là est l'agresseur, celle-là est la victime. Il y a à réprimer et à condamner l'agresseur, et il y a à assister et à protéger la victime et à lui apprendre que c'est d'abord elle-même qui a le devoir de se protéger et qu'elle doit abandonner les sentiments de honte et de culpabilité qui sont malheureusement toujours présents. Quand il y a une situation de violence, la femme est tentée de dire « mais je dois le mériter puisque je suis aussi humiliée et agressée ». C'est ça les obstacles, c'est ce travail de lutte contre le déni, contre l'indifférence générale, contre la négation et le brouillage des repères. Comme je vous ai dit, quand on a déjà fait ce travail très clair de prise de conscience, de prise de position, on a déjà beaucoup avancé. C'est d'ailleurs ça, une des conséquences terribles de la violence, c'est qu'elle met l'individu qui l'a subi dans, non seulement en position, elle aggrave sa vulnérabilité et sa faiblesse, mais elle lui fait perdre souvent sa lucidité, sa clairvoyance et sa force de dire mais enfin, et de réaction. C'est ça les obstacles principaux. Merci. Et quels sont les moyens prévus par le gouvernement algérien pour prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales ? Est-ce qu'il y en a ? Alors, très bien. Vous venez de soulever une question très intéressante. Et je pense quand même, sans être dans la modestie, je pense quand même que cette prise de conscience dont je parlais, j'ai envie de revenir un petit peu sur les années de terrorisme. Je crois qu'il a été tellement important à un moment donné dans la lutte contre le terrorisme d'en parler dans les médias. La société algérienne, vous le savez bien, je crois, est sortie de cette épreuve et avec les institutions, il faut bien le dire, victorieuse de cette tentative d'éradiquer, en tout cas la nation algérienne et la société telle qu'elle était en train de se bâtir depuis l'indépendance du pays. Et je pense que le fait d'avoir eu à parler, à médiatiser le terrorisme pour mieux le cerner et lutter contre lui, à un moment donné, n'a plus rendu possible le silence sur les violences ordinaires,
sur les viols, en particulier les violences domestiques. Nous l'avons vu très clairement quand, dans les années 2000, nous avons réfléchi, recueilli tous ces témoignages de victimes du terrorisme. Nous avons vu à quel point, quelquefois, dans les témoignages, les personnes mêlées un peu, ou dans les flashbacks de leurs témoignages, revenaient pour les plus âgés des réminiscences de la violence subie pendant la guerre de libération, et quelquefois certains, en confiance, laissaient transparaître qu'ils avaient aussi subi des violences dans l'enfance, des violences familiales, des violences conjugales. Donc je suis presque sûre que cette visibilité donnée aux violences pendant la période de terrorisme a facilité le fait qu'on a pu briser le silence sur des violences dont il était impossible, impensable de parler avant cette période, c'est-à-dire les violences privées, les violences dans la sphère privée. Je crois qu'on peut penser que ce mouvement s'est fait, une grande lame de fond dans la société, pour que quand même on parle des violences à partir de cette visibilité, comme je l'ai dit, des violences terroristes. On n'a plus pu cacher tous les types de violences. Et la parole s'est un peu libérée, même si c'était dans le désordre, même si c'était avec des avancées et des reculs. Donc on va dire les années de 2000 à 2015, il y a eu beaucoup l'accompagnement des victimes, toute cette connaissance qu'ont eu les professionnels de l'importance de l'écoute, du soutien psychologique. Donc la parole s'est de plus en plus libérée. Les institutions qui organisaient les formations, les sensibilisations avec même beaucoup, beaucoup d'ONG, même internationales, hein, pas seulement les nationales. Tout cela, je crois, a favorisé la connaissance, hein, de ce phénomène, a permis qu'on en parle beaucoup et du coup qu'on en parle de plus en plus de manière professionnelle. Et que, donc, on se rende compte des effroyables conséquences qu'on avait peut-être méconnues. Ce qui a été important aussi, c'est la prise de conscience quand on a commencé à donner des chiffres et que les enquêtes, par exemple, de l'Institut national de la santé publique qui a paru en 2005, qui a été faite en 2005 et paru peut-être un peu plus tard, a montré qu'on avait beaucoup mis l'accent sur les violences politiques, les violences terroristes, mais qu'en réalité, les plus fréquentes, les plus banales, c'était les domestiques. Que la femme était bien plus en insécurité dans le foyer, censé la protéger, qu'à l'extérieur, au travail ou dans la rue. Et que quand on arrivait au chiffre effroyable de la fréquence de 80% de violences dans toutes les statistiques de violences domestiques, ce chiffre a été aussi, je crois, un révélateur de l'importance de s'en occuper. Donc au début, il y avait, puisque vous me parlez des institutions et du gouvernement algérien, on avait l'impression qu'il fallait surtout, comme toujours, légiférer sur les violences terroristes, s'occuper en urgence des violences dans l'espace public. Mais c'est tout. Et avec ces révélations, ces chiffres, par ces victimes individuelles qui parlaient de plus en plus, on s'est dit, on ne peut plus ne pas se mêler de cette violence de la sphère privée, de la sphère familiale. Et c'est enfin, dans les années 2014 exactement, qu'un conseil des ministres a examiné une loi générale qui s'appelait Protection de la femme et des enfants. Bien sûr, c'est une loi sur la protection des catégories vulnérables de la société. Mais dans cette loi, pour la première fois, le législateur parle de la violence conjugale, de la violence privée, et la pénalise, fait de la violence conjugale un délit. Donc, c'était gagné. Il a fallu 18 mois pour que cette loi discutée en août 2014 soit adoptée enfin, parce qu'il y a eu beaucoup de résistance au niveau du Parlement, en particulier du Sénat. Elle était restée sous le coude des sénateurs pendant des mois et des mois. Et enfin, cette loi est passée au journal officiel en décembre 2015. Et évidemment,
On va peut-être y revenir. Une loi et un texte sont loin d'être suffisants. Mais tout de même, je considère que c'est une avancée et que la fameuse prise de position du officiel au plus haut niveau de l'État algérien, on l'a obtenue dans l'année 2015. On ne peut plus revenir en arrière et on considère, et le législateur s'occupe de la violence à l'intérieur du foyer. Et est-ce que le gouvernement prévoit par exemple des foyers pour venir en aide aux victimes? Voilà, vous êtes aussi en continuité avec ce que je voulais dire, mais vous le dites beaucoup plus concrètement, ce que nous avons regretté. Là, ça a été un rendez-vous manqué. Les associations, dès les années 2010, avaient travaillé en groupe, toutes les associations féministes avaient travaillé sur une proposition de loi cadre sur les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire qu'on faisait un plaidoyer non seulement pour que des textes de loi existent et examinés par les juristes, mais nous avions prévu aussi toutes les applications et les mesures réglementaires concrètes dans tous les secteurs de la société. Autrement dit, il ne suffit pas théoriquement de dire que c'est un délit, mais nous avions réfléchi sur toutes les mesures de protection. Je vous en donne deux ou trois. Par exemple, un service spécial dans les unités de soins pour l'accueil des femmes, qu'elles ne soient pas reçues dans les services de médecine légale, en même temps que les délinquants et les coups et blessures volontaires ordinaires, qu'il y ait une structure, une cellule d'accueil. Pareil dans les tribunaux, prévoir des défenses gratuites et des avocats. Et imaginez, et par exemple, puisque vous avez posé la question très importante, comme un peu par exemple un pays qui l'a fait, c'est l'Espagne, quand il y a un signalement d'une violence conjugale, ce n'est pas la femme qui est jetée dehors avec ses enfants, mais la police, dans un premier temps, éloigne l'agresseur, la femme reste avec ses enfants dans le domicile, et ensuite, l'enquête est ouverte, et la justice fait son travail, et si jamais la femme s'est plainte à tort, ou que ensuite, on rétablit les choses, mais vous voyez, nous avions parlé de cadre, parce que c'est un texte qui se prolonge par des mesures efficientes, concrètes sur le terrain. Ce que malheureusement, nous n'avons pas obtenu. Nous avions déposé notre avant-projet de loi qui n'a pas été pris en compte. Donc, j'ai envie de vous dire ce qui manque encore, et le temps sera malheureusement encore très long, c'est l'application réelle, effective, de cette loi qui condamne la violence conjugale, parce que vous imaginez bien les réticences et les résistances au niveau même des magistrats et des juges, qui sont souvent ceux qui agressent leurs propres femmes, et ou des magistrates qui sont elles-mêmes victimes de la violence conjugale. Donc tout cela fait qu'on a des résistances à tous les niveaux, et malheureusement, cette loi n'est pas encore accompagnée de textes d'application et des mesures concrètes qui puissent totalement protéger les femmes et leurs enfants. Est-ce que les victimes risquent de faire face à des préjugés de la part des intervenants, par exemple les policiers et les professionnels de la santé, lorsqu'elles sont prises en charge suite à une violence conjugale? Bien entendu. Quand vous aviez dit les problématiques auxquelles j'ai donné d'une manière générale précédemment, pour qu'on se mette dans le bain de l'entretien, j'avais donné les grandes lignes, le déni, mais évidemment, ce que racontent les femmes, et qui est d'ailleurs une des grandes souffrances aussi de ceux qui sont auprès d'elles, c'est quelquefois elles gardent de ce qu'elles appellent la deuxième violence, qui provoque ce que l'on appelle aussi de manière un peu sophistiquée la survictimisation. Elles gardent un souvenir affreux de ce qu'elles ont dû subir comme réflexion, colibé, parfois même brutalité, en tout cas verbale, de la part des personnes vers lesquelles elles se sont tournées au sortir du traumatisme qu'elles ont subi. Je vous donne quelques exemples, surtout quand il s'agit de violences sexuelles. Certaines femmes se précipitant au commissariat de police ou dans une gendarmerie après avoir subi malheureusement une agression sexuelle sont accueillies
de manière très froide d'abord. Elle raconte comment elles sont dévisagées de bas en haut, de haut en bas, et on pointe du doigt la tenue qu'elles avaient, alors où elle est pas assez longue ou pas assez couvrante ou pas assez, et donc non seulement le professionnel ne prend pas en compte la détresse extrême de la victime, mais va même lui dire « Ah, je ne suis pas étonnée », va même peut-être justifier ou trouver des raisons à l'agression. Et ça, c'est pour les femmes quelque chose de terrible. Ça leur arrive quelquefois dans les services de médecine légale. Donc, une deuxième violence, ou autre préjugé dont vous parlez, ces femmes auxquelles... alors qu'elles sont couvertes de traces de violences physiques ou qu'elles ont, à qui on conseille gentiment, donc les préjugés, tu vas détruire ton foyer, réfléchis bien, qui sont donc harcelés par des propos dissuasifs, des propos qui ajoutent à leur désarroi, parce que finalement ça entretient ou ça aggrave déjà leur tendance à la culpabilité, à la honte et à la résignation. L'invitation à la résignation et au caractère déplacé qu'elles puissent vouloir réagir et trouver de l'aide pour réagir et être protégées. J'aurais dû commencer par le premier cercle. J'ai fait une très, très grave omission. Nous avons commencé par les services de sécurité, gendarmerie, police, tribunal, services de santé et d'abord la famille. Quand tu jures, c'est le premier, quelquefois, le mur le plus infranchissable que va trouver une femme quand elle est victime de violence, et que sa première réaction, bien sûr, c'est de prendre deux, trois affaires, ses enfants sous le bras et de retourner dans sa famille la plus proche, et qu'elle entend « Ah non, ou bien tu l'as choisi ». Ça, c'est alors effroyable aussi, ces propos, qu'ils ne s'effacent jamais de la mémoire des victimes. N'oublie pas que j'étais contre ce mariage et tu l'as choisi, je te l'avais dit, tu dois assumer ton choix. Ou alors elles entendent au mieux, toi d'accord, tu restes, c'est ta maison, mais rends-lui ses enfants. Donc, choix impossible à faire pour une mère. Ou la troisième horreur, non, et c'est souvent ça. Nous n'avons pas de place, où il y a déjà tant... Non, on ne peut pas, essaye de voir comment te débrouiller. Et elle est purement et simplement de nouveau dans la rue. Et elle va alors faire cette quête de frapper auprès d'étrangers, en particulier les associations d'aide aux victimes. Et pour les femmes qui sont par exemple pas dans la région d'Alger, est-ce que c'est plus difficile de trouver des associations ? Je pense que oui. Et puis là, alors vous parliez de préjugés. Vous imaginez à ce moment-là, autant dans Alger, on peut se fondre et être dans l'anonymat. Mais dans les petits villages, ce qui est terrible, c'est que tout le monde se connaît. Vous savez, quand je réponds à vos questions, je me demande, j'y avais pas tellement réfléchi, je me demande si nous ne devrions pas commencer par premier obstacle, premier verrou, la personne elle-même, la victime elle-même. Le premier ennemi de la victime, le premier obstacle qui se dresse, et particulièrement dans les régions où alors là, l'idée ne va même pas lui venir d'aller téléphoner ou dénoncer. Comment est-ce possible? Cette espèce de ce qu'on appelle la résignation passive, mais c'est en fait, et je pense que finalement c'est d'abord elle-même, quelquefois quand elle a de grands enfants, le fait qu'elle va comprendre que les enfants exerçant, et c'est normal, de la loyauté vis-à-vis des deux parents, elle va se rendre compte qu'elle n'est absolument pas soutenue par un fils aîné ou une fille qui, elle aussi, va se dresser et faire corps avec les archaïsmes de la société. Donc, c'est une somme de tout, de tous ces freins, de tous ces obstacles. Je crois qu'il est très raisonnable de commencer par l'auto-frein, l'auto-censure, l'auto-mal qu'elles se font, parce que la structure de la société les oblige à se résigner passivement. Autre question, la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme en parle également dans ses rapports. La violence faite aux femmes est souvent tolérée. Pourquoi ? On l'a abordée. Elle est banalisée, elle est tolérée, elle est admise.
parce que on renvoie à l'explication que j'avais donnée au début, parce que nous avons nous sommes une société encore, même si il y a de grands changements, et d'ailleurs je vais peut-être après revenir là-dessus, peut-être que les interlocutrices qui m'ont précédée l'ont mieux analysé que moi, des sociologues, moi je suis médecin, mais je pense que ce qui paradoxalement donne l'impression que la violence redouble, notre observation, c'est que non seulement elle ne diminue pas, mais surtout elle prend des formes de violence extrême. Et cela, c'est parce que je crois il y a en action ces archaïsmes, ces résistances d'une société patriarcale très contraignante, qui était vraiment la structure de notre système social, mais tout de même aussi, et heureusement, de grands changements. On ne peut pas ne pas remarquer l'envahissement des femmes dans l'espace public, la scolarisation des femmes, les femmes, tout cela a fait dans la famille, souvent ce sont les femmes qui travaillent alors que les hommes sont au chômage, la place du père, la place du frère a complètement changé en réalité, même a bouleversé la société. Et donc nous sommes en présence de bouleversements majeurs d'une société, plus qu'en transition, d'une société où la femme, bien sûr, maintenant est complètement acteur de sa vie, acteur du changement. Souvent, c'est elle qui a la place dans la cellule familiale, la place sociale la plus en vue, la plus importante, plus l'apport économique. Et face à ça, il y a les résistances et les archaïsmes n'arrivent pas à baisser les bras, à s'adapter à la rapidité de ces bouleversements. Et je pense que c'est comme ça que l'on peut expliquer la perpétuation des violences, leur caractère inouï, et donc on la tolère, on la banalise, parce que sinon ça ferait s'effondrer la domination et l'inégalité, et ça obligerait à tous les niveaux institutionnel, juridique, social, à reconnaître qu'il faut des lois non discriminatives, qu'il faut atteindre l'égalité et avec elle la citoyenneté. Il y a ceci aussi dans le système algérien en fait, qui est un système autocratique et quand même aussi très répressif. Il y a et violent. Même si cette violence s'exerce souvent sous la forme de violence symbolique, il n'y a donc ni citoyen, ni citoyenne. Et donc, si les femmes réclament la citoyenneté, elles la réclament pour les deux sexes. Et donc, la lutte pour la citoyenneté des femmes et l'égalité des femmes, c'est en fait ce que ne comprennent pas souvent les hommes, c'est en fait lutter et essayer d'obtenir, pour eux bien sûr, pour toutes les membres de cette société, l'égalité et la paix sociale. Professeur Chitour, avant de clore cette interview, auriez-vous un message à faire passer aux citoyens algériens pour favoriser peut-être plus de sensibilisation à la violence commise dans les foyers ? Message, c'est quand même un bien grand mot, mais effectivement, je pense, en droite ligne des propos précédents, j'ai toujours pensé, puis bien sûr, que nous sommes responsables de la violence de cette société, tous. Je pense que c'est la faillite de cette société qui crée les victimes. Et donc, je pense que chacun est responsable de ces victimes. Quand on reconnaît ça, ça veut dire qu'on les reconnaît comme tels, donc on prend position, donc en prenant position, on s'engage, on se solidarise avec elles, on ne tourne pas les yeux avec indifférence. Et à mon avis, un marqueur de cet engagement citoyen serait l'acte du signalement. Je pense que si nous nous sentons concernés par une femme qui hurle, une voisine qui hurle, et que nous ne disons pas « Oh, c'est la sphère privée », si nous n'acceptons plus qu'un enfant sous nos yeux reçoive ce que l'on appelle une petite gifle ou une raclée, ou de la part de ses parents, sous prétexte que c'est un mode éducatif,
alors qu'il faut trouver d'autres moyens de communication entre parents et enfants, entre époux, entre chaque membre de cette société avec un autre. Eh bien, si donc nous nous sentons concernés par la violence sur autrui, que ça nous fasse aussi mal que si nous la recevions nous-mêmes, il y aurait un grand changement. Et j'invite donc tout citoyen, toute personne à ne pas hésiter, à ne pas croire que signaler à un commissariat de police ou un numéro vert au téléphone une scène qui l'aurait bouleversée et qui pourrait permettre de protéger une femme, un enfant, un handicapé, un vieillard, doit être fait sans hésitation. Le message que j'ai envie de lancer, c'est peut-être expliquer, sensibiliser sur ce qu'est le signalement. Ce qui fait hésiter les citoyens, c'est que les gens pensent qu'il s'agit de la délation, d'une dénonciation. Absolument pas. Le citoyen qui fait ça n'agit pas en policier, sûrement pas en juge. Non, il va simplement exprimer son inquiétude, sa crainte que quelqu'un de vulnérable soit en danger. Ce qui permet aux autorités ou aux personnes alertées, par exemple la commission, vous savez qu'il existe, à côté de l'organisme dont vous avez parlé, il y a depuis l'été 2015, donc depuis 2 ans maintenant, un organisme de protection et de promotion des droits de l'enfant, avec un numéro vert. C'est simplement informer une autorité qu'on est en train pour l'intégrité physique ou morale d'une personne, et on a été témoin de cela, et à l'autorité de vérifier ce que vous dites et de mettre en alerte et en branle l'enquête, la vérification, et envoyer une assistante sociale. Il y a des services de santé qui s'appellent les SOEMO, où il y a des psychologues, que cette autorité peut mettre en action pour aller faire une enquête, pour voir si cet enfant est réellement sujet, victime de maltraitance. Et vous n'avez pas de souci à vous faire, parce que si vous vous êtes trompé, vous avez le droit à l'erreur de vous être trompé sur l'importance, le degré, vous avez été... Ça ne fait rien. Il y aura eu vérification, enquête, et vous avez au moins alerté. Le signalement est un mécanisme d'alerte qui prouve simplement votre conscience de citoyen et votre solidarité. C'est tout. Et j'engage donc vraiment l'éveil de tout citoyen face à ces procédures qui existent, et ne pas du tout se croire un délateur ou risquer quoi que ce soit. Et quand bien même, il n'y a pas de risque, mais ça fait partie de l'acte citoyen. Donc un message sur l'importance de s'autoriser à signaler et à alerter quand on est témoin, ou qu'on a une crainte, les risques, ce que peuvent encourir des femmes et des enfants sur le plan de la violence. Nous arrivons à la fin de notre émission. Professeur Boumendjel Chitour, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Ça va me permettre, en vous remerciant, d'ajouter peut-être quelque chose dans les messages, parce que ce que j'ai dit sur le signalement serait aussi un gage que les personnes qui se sentent concernées et solidaires avec les victimes sont, engagées aussi dans l'éducation, dans la sensibilisation. Si nous développons une culture de l'égalité entre les sexes, de l'égalité des droits entre eux, et du respect des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des citoyens, je pense que nous aurons fait un grand pas pour transformer. En fait, mon message... C'est le message ultime, évidemment, c'est cette aspiration au changement de notre société, qui, je pense, le mérite bien. On espère que ça va bientôt arriver. Et profitons de cette occasion pour saluer la persévérance de votre combat pour faire avancer le droit des femmes en Algérie, ainsi que pour faire adopter une approche victimologique chez les professionnels de la santé et les forces de l'ordre qui sont amenées à prendre en charge les victimes de violences. Nous rappelons que la lutte contre la discrimination basée sur le sexe est l'affaire de tous, et surtout que chaque citoyen a le devoir de signaler tout type de violence si l'on est témoin. Je vous rappelle les numéros du centre d'appel du réseau OSILA. On a le 021
33 29 29 et pour le portable le 05 60 10 01 05. Sur ce, je vous remercie, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre écoute et votre fidélité. Au revoir.